Salut tout, on se retrouve pour un... Hop là. On se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Kingdom Come Deliverance. Dans le dernier épisode, on s'était entraîné surtout suite à une défaite à Scalis contre le boss que dont j'avais l'impression que j'étais très loin d'arriver à le battre. Enfin, pas forcément très loin, mais assez loin. Donc je me suis dit que j'allais m'obtenir un équipement un peu plus adapté. Ça inclut faire réparer mon plastron, idéalement. J'ai fait réparer mes autres vêtements et récupérer un marteau d'armes, idéalement, ou une massue. Mais alors marteau d'armes lourd, c'est un peu trop... J'ai pas la force qu'il faut. Masse d'armes, ça fait que 37, donc ça me paraît pas idéal. J'ai le marteau d'armes qui fait 47, ça me paraissait un bon compromis entre les deux. Sachant que si je décidais de jouer avec le marteau d'armes lourd, ça me ferait 38, c'est déjà mieux que la massue par exemple. Et potentiellement, je pourrais me faire une potion de Hercule, je crois. M'en acheter une sinon. Qui booste, si je dis pas de bêtises, ma force pendant un temps donné de plus 3. Et donc je passerai de 7 à 10. Et 10, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Donc pour combattre le Ingre, le premier boss qu'on affronte, ce serait une bonne idée. Quelle est la direction? Plutôt de l'autre côté. On va aller taper les bandits. Ça m'entraînera au combat. En tant que joueur et en tant que Henri. Pas sûr d'avoir pris exactement la route qu'il faut. J'ai pris cette route là. C'est pas grave, on va tourner. Là on est au nid. Je tourne à la prochaine. Ok, ok, on va y aller doucement, petit cheval. J'ai toujours galéré ou j'ai acheté un meilleur cheval, je ne sais plus. Galet, oui. Faudra qu'un jour j'achète un meilleur cheval. Galet, il m'a fait faux bond un nombre de fois assez incroyable. Alors qu'il y avait des bandits, bon, il a pris peur et puis il s'est enfui. Me désarçonnant au passage. Ce qui est vraiment pas très agréable. Alors, ça serait bien... Le campement est là. Ah, je le vois. Les bandits sont là. Ça serait bien quand je sauvegarde un petit coup. Pop, pop, pop. J'ai un arc quand même ou pas? J'ai des flèches de chasse équipées. Alors, est-ce que j'ai un meilleur arc? Regardez ces deux-là. 54. Épée ou marteau d'armes? On va jouer au marteau d'armes. Pour s'entraîner pour de vrai. Tête faible. Un marteau d'armes sans bouclier du coup? Non, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que c'est? On va jouer, on va s'entraîner un peu avec les deux. Ah non, il m'a pas capté. Alors en fait, mon gars, je comptais sur toi pour venir me voir. Mince. Bien vu, j'espère. Regardez-moi qui sort en rampant. Malédiction. Bien, mon gars. Ah, mais non, mais pas avec tous tes potes, c'est pas vrai ça. Ok, cabot. T'appelles ça un combat?
Ah non, je voulais dire attaque. Très bien. On a les genoux qui tremblent. Amène-toi. Je suis pas très bien barré vu le nombre de... Oh, le saut sur le tronc d'arbre, pas mal. Hop là, ah oui, je voulais pas le déséquilibrer comme ça, mais... T'as droit de m'aider, Cabot, hein, si tu veux. Ah, j'ai plus d'énergie. Alors, tempo un peu. Allez, approche. Oh yes. Massacré. Ah bah en voilà un nouveau, un autre. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Dieu du ciel. Allez, j'aimerais décrocher. Ah. Pas contrôle pour décrocher, si c'est contrôle pour décrocher. Saleté. Viens par ici. Oh là là, quand on court, ils s'attrapent vachement vite. J'ai l'impression qu'il y en a un troisième avec les bois. Non, c'est lui. J'aimerais taper sur lui d'abord, si c'est envisageable. Tu vas le payer cher. Ah, il y a un archer. Fais partie du passé. Qui va là? Oh non, il y en a encore un. Hey, c'est t'arrive. Allez, viens. Ouais, je vais me faire avoir là. Je suis trop lourd en plus. C'est tout ce que tu sais. Et je saigne bien, il y a l'archer qui est en train de me tuer. Ouais. Alors, deux bandits, ça passe encore, j'en ai eu un. 3, 4, pas trop. Donc j'ai bien fait de sauvegarder. On va tenter de... Donc j'ai pas d'équipement là. Toc. Toc. On a dit l'arc long, c'est le meilleur. Pour l'instant, relativement à ma force. On va tenter d'en attirer, mais juste un. Aux armes, par ici, vite. Ah, il crie, tout le monde va rafier, va rappliquer. Hey, vous tous, venez ici, donnez l'alerte. Je crois que ça va me plaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Par ici. Allez, viens. Où est-ce que vous vous passez? Vite, donnez l'alerte. Attention! Bon sang! Montre-moi ce que tu vaux! C'est tout ce que tu as dans le ventre? Alors, j'ai un troisième coco à l'arc là. On va tenter de pas trop s'exposer. Bon, en fait, je me les suis tous récupérés comme tout à l'heure. Ils se défendent drôlement bien en fait, c'est ça qui m'arrange pas du tout. Tiens.
Même en mettant plein de coups. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Il y a un homme mort. Ouais. Ouais, ça sent un homme mort, ça. Oh là là, c'est dur. Je trouve ça dur. J'ai peut-être pas vraiment les compétences adéquates pour affronter ce genre de bandits. Alors, on va tenter de les avoir vraiment tout seul cette fois-ci. Hey, qui va là ? Allez, viens mon gars, mais viens tout seul. Alors il a crié, il a donné l'alerte. Par ici. Passez vite. Par ici. Mais bon, on peut peut-être ne pas se faire trop poursuivre. Et avec s'en sortir. J'ai l'impression que les paramètres graphiques sont pas extra. C'est peut-être juste une impression, mais dans la mesure où j'ai une très bonne carte graphique, je me dis que je pourrais avoir mieux. J'ai l'impression que j'ai réduit les graphismes là. Paramètres graphiques, très élevé, ultra élevé, personnalisé, très élevé. J'avais peut-être fait un réglage qui me convenait plus dans entre très élevé et ultra élevé ou un truc comme ça. Par exemple là, les feuilles, bon. Pas du photoréaliste quoi. Alors on peut repasser en ultra élevé. Alors paramètres graphiques, j'ai peur que ça ait un impact sur les SPS. Je vais vérifier qu'OBS continue à filmer à 60. Ça suffit. Ah, tu te rends? Ah, plutôt tenter de le tuer. Alors, sauf que ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, plaqué, j'y arrive pas, il court plus. Que je me méfie, il a plus énergie que moi. Tu ne vas pas faire long feu. T'es prêt à abandonner et maintenant tu te bats. Je pensais que tu fuirais longtemps, moi. Ça va me plaire. Oh là, ma tête. Pour un bandit qui fuyait, il s'en sort vachement bien. Prends ça. Il va me tuer, ouais. Je vois quasiment plus rien. Oh là là. Moi qui avais l'impression que ça se passait bien. Continuez. Ah, j'espère qu'il va me reprendre la sauvegarde, que j'ai pas fait de bêtises. Ouais, c'est bon. Alors. Alors, oui, c'est pareil. Prends l'arc. Équipe l'arc. Équipe le bouclier. Équipe le marteau d'armes. Alors. Mauvais endroit, au mauvais. C'était pas intentionnel, mais. Alors, ils sont un peu trop par contre. 3. Attention! Il y en a un qui fuit. Pas
ici. Il y a l'archer. Alerte. TLP. Attention. Moi je suis pas très bon de loin. On va laisser tirer et après on charge avant lui. Comment ça j'ai glissé? C'est mon chien qui m'a poussé. Oh, j'ai touché l'arbre vraiment. Ça suffit, je t'en prie. Pas de pitié pour les bandits. Un peu de distraction. Mais là, je courais pas. Comment ça se fait qu'il ait pu me... Donnez l'alerte. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Aux armes, par ici, vite. Qui va là? On va s'éloigner avec lui. Plus facile à affronter que le Hungre, lui. T'appelles ça un combat? Le cabot, t'as le droit d'attaquer, hein? Oh! J'ai réussi. Aïe. Il grogne mais il tape pas. Yeah, belle défense. C'est tout ce que tu sais faire. À toi de me le dire. À reprendre mon souffle. Montre-moi ce que tu veux. Ouais, je vais te montrer si je m'en sors. Ah, j'ai gagné un niveau en massue. Ah, c'est vrai que ça m'entraîne aussi avec ce genre d'arme. Ah, j'aurais dû taper là, j'ai pas pensé. Le plus économique en énergie, c'est de faire un pas de côté. Parer avec le bouclier, ça demande un peu d'énergie. Se prendre le coup, je pense que c'est encore pire que de parer avec un bouclier. Ouais. Aïe. Ah, laisse-moi reprendre mon souffle, je t'en prie. Allez, viens, fils de chien. Oh là là! C'est souvent comme ça. Mon armure tient jusqu'à un moment et après, je suis mal barré. Merde! On a les genoux qui tremblent. J'en suis bien sorti pour l'instant, j'aimerais que ça continue. Ah.
Tiens. Au coup dans la tête. C'est raté. Au moins je ne saigne pas. Mais enfin à la prochaine série, c'est sûr qu'il va m'avoir. Oh, c'est mon chien qui a pris un coup. Je vais te tuer. Ah je. Ouais, t'es bien parti pour. Viens par ici. On va voir si je m'en sors ou pas. J'ai tenté d'appeler mon cheval également. On a les genoux qui tremblent. Mais ça n'a aucun effet. Je pense pas que mon cheval se soit fait tuer. Racaille. Peut-être que je peux pas parce que je suis en combat. J'ai pris un sale coup encore. Oh. T'es un homme mort. J'ai rarement fait un combat aussi serré. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit vraiment en très mauvais état. Mais je pense, avec tous les coups que j'ai mis. Oui! Mon dieu! Donc, je ne saigne pas, donc ma santé ne descend pas. Je suis à 13. Ouais, bon, peut-être pas tout. On va mettre la plupart sur le cheval. On va aller les vendre. Veste foncée, ça vaut quasiment rien. Ça pèse super lourd. On la jette. Je vais voir si je peux récupérer l'équipement sur les autres cadavres. Moi, les oreilles de bandit. Et je ne sais plus précisément où ils sont. Il y en a un que j'ai headshot pas loin du campement. Je vois qu'il faut pas non plus que je tombe sur d'autres bandits parce que dans l'état où je suis. Laisse-moi très vite. Je pense que c'était parce que j'étais en combat que je pouvais pas siffler mon cheval. Qu'est-ce que c'est ? Mince, il y en a un qui est vivant. Ouais, je pense que je vais pas prendre le risque. Je sais même plus si jamais dans cette. Cette sauvegarde, j'ai tué d'autres bandits ou pas. Il me semble que j'ai headshot un gars. Et tué un deuxième à la loyale, mais je suis pas certain. Peut-être le chef du campement qui est venu tout de suite. On va faire un coup de réparation sur mes équipements. Oh non, mon gambison il est à nouveau très abîmé. Et ma cuirasse, ça fait longtemps qu'elle est très abîmée. C'est cette route là que j'aurais dû suivre pour aller directement au campement de bandits. Ouais, donc ici en fait j'ai hésité sur quelle route prendre, j'ai pris la mauvaise. C'est pas fondamentalement grave mais bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à s'entraîner au combo. Ah non, on va d'abord dire qu'on s'est occupé du campement. Voilà. Bon, j'ai eu que le chef, mais... Et ce n'est pas tout. Il y a eu du grabuge sur la route de Sasso. Il doit y avoir un autre campement dans les... D'accord, je vais aller... Sasso. On irait voir. J'ai aussi des oreilles. J'ai quelques... Voyons voir. Bien. Et ensuite... 35 gros chaînes l'oreille. J'aimerais apprendre les combos. Si vous
voulez vraiment blesser votre adversaire, il est inutile d'agiter votre épée dans tous les sens en espérant être chanceux. Il vous faut de la technique. Mais l'usage de techniques de combat n'est pas évident. Il n'existe aucun coup miraculeux qui vous assurera la victoire à chaque duel. Vous devez travailler votre approche au combat, obliger votre adversaire à se déplacer là où vous le voulez, pour ensuite l'attaquer par surprise. Ah ! Vous avez vu ? J'ai porté le coup par le haut, ensuite sur le côté, pour finir par un pas d'élan vers le bas. Mais alors, oui, j'ai vu. Vous attendiez à ce que j'attaque par en dessous, je vous ai pris à revers. Encore une fois, en garde. Mince. À votre tour, frappez par en dessus, puis par à la droite, et portez un coup de taille. Les coups doivent s'enchaîner les uns après les autres. Dès qu'une attaque touche, amorcez la prochaine. Vous devez respecter l'ordre des attaques, autrement ça ne fonctionnera pas. Frappez par en dessus, par la droite et par en dessous. Allez-y. Bien, encore. Non, j'ai fait trop bas. Vous devez m'attaquer trois fois. Bien, encore. C'est ça, parfait. Et voilà, j'ai gagné un niveau d'épée en même temps. Un tas de techniques semblables pour chacun. Essayez de vous perfectionner. Alors, on n'a pas trop dû abîmer nos armures. J'ai pas dû trop abîmer mon armure. Est-ce qu'on s'entraîne à la massue avec lui ou pas? J'ai gagné un niveau en épée qui me permet de débloquer. On va prendre celui-là. Ça c'est pour une épée longue. Ah. Je joue souvent à l'épée courte et au bouclier plutôt qu'à l'épée longue. Bon, on verra plus tard pour le combo. Un petit tour chez l'armurier. J'ai quelques armures à vendre. Je pense que j'avais personnalisé mes paramètres graphiques pour pas avoir autant de flou de mouvement. Mince, attendez, confirmer. J'aime pas trop l'effet de flou. Pour l'instant, ça tient. Vous avez 60 FPS stable, et moi encore un peu plus. Ah, j'ai pas récupéré, c'est sur mon cheval. Adieu. Alors par contre, c'est pas de l'armure de top qualité. Quoique bassine à visière, je pensais que ça valait beaucoup plus que ça. Je pense qu'il n'y a aucune armure qui est plus intéressante. De toute façon, il y a une visière, j'évite les trucs à visière. Ah si. Ah bah oui, c'est mieux que rien, je vois. Le octoncourt noir, il est mieux que ma capuche. En armure corps. Parce que ma capuche noire est cassée, peut-être. Peut-être qu'à zéro, elle n'a aucun effet. On va garder la capuche, plutôt. Quoique, si ça réduit aussi ma visibilité et mon équivoque. Je pense que ça se joue à pas grand chose. Je vais juste vérifier. Octon noir. Donc, vis équivoque 24-22. La capuche 15-16. Donc, la capuche est mieux. C'est juste qu'elle est abîmée. Donc, on va vendre. Hop, c'est pas ce que je vais faire. Ah. Bon, il ne les prend pas à un très bon prix. Mais au total, ça finit par faire une petite somme. Oh mince, je voulais marchander. Bon, c'est pas grave. Réparation. Non, j'ai toujours pas les sous qu'il faut.
doux Jésus. À la prochaine. Alors, ah, j'ai pas vérifié que ma capuche avait bien l'effet. Bon. Je pourrais faire un tour au bain. Manger un morceau de pain. De l'eau potable. Ça noie un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Est-ce qu'on dit qu'on est bon? J'ai toujours une pièce d'armure abîmée, ce qui fait que mon armure de corps est faible. Mon armure de main est pas top top top. Après, il me tape pas souvent sur la main. Par rapport à mon armure tête, mon armure de main, elle est pas très bonne. Surtout en choc. En vrai, je peux continuer à m'entraîner à la massue. Ça va encore abîmer mon armure, mais bon. Ou alors je vais du côté de Sasso pour gérer le campement de bandits. En vrai, qu'est-ce qui m'empêche de retourner au campement de bandits et de régler leur compte à ceux qui restaient? Rien du tout, après je vends leurs armures. Je pense que j'y gagnerais plus de sous de les tuer et de vendre leurs armures. Plutôt que d'éviter d'abîmer mon armure à moi. J'espère que je gagnerai plus de sous en abîmant mon armure en me battant et en revendant leurs armures, leurs oreilles. J'ai gagné toute ma santé, donc tout va bien. Question, est-ce que je re-sauvegarde avec un snap sauveur ou pas? Alors, je me demande si je suis pas allé trop loin. Pas assez. Pas trop, on va tenter de remonter sur la route. Je pense que je suis pas allé assez loin. Alors, il y a un endroit où ça descend et après ça remonte. On voit pas le relief. Quoique, c'est peut-être encore beaucoup plus loin que ça. Ah bah oui, là c'est là où j'ai tué le bandit. Donc si j'en ai tué d'autres, dont je ne suis pas sûr du tout, il doit y avoir encore les corps. Ah, je suis pas obligé de les affronter en combat, je peux aussi les assommer. Ou les poignarder si j'ai une dague sur moi. Et alors j'ai une dague, je sais pas si j'ai la compétence. Aux armes, par ici, vite! Alors lui, il me fuit directement. Oh! Bah, je l'ai retrouvé finalement. Donc j'ai bien tué un autre gars, il est juste à côté. Alors, tag. Il a une capuche noire en meilleur état que la mienne.
Mais elle est moins bonne en vie, c'est en équivoque. C'est peut-être parce que je l'ai réparée moi-même qu'elle est discrète, la mienne. Par contre, bon, l'équipement, c'est pas... C'est pas la folie. Ah, en voilà encore un. Rangeons ça. Tiens donc. Ah mince. Regardez-moi qui sort en rampant de sa cachette. Alerte. L'autre, il est très loin. Par ici, vite. Il est moins bon que son chef, lui. Je vais essayer de garder le camp en arrière-plan pour voir les autres arriver. Ouais, on l'a eu. Très très facilement par rapport à son chef. T'enfuis pas, mon gars. Ça va, en fait, c'est des bandits relativement faciles quand on les a un par un. Il y a juste le chef qui était mieux équipé et peut-être aussi avec des meilleures compétences. Alors, ils ont peut-être quelque chose d'intéressant. Il y a rien. Ok. Ah, j'avais déjà beaucoup mangé. Bon, c'est pas très grave. Ah, en voilà un. Qui va là? Qu'avons-nous? Avec-toi! Alors, maintenant que t'as pris trois flèches, on va se battre. Je vais t'avoir. Ah, y a moyen de le tuer discrètement ou pas? Assommé. Non, y a pas moyen. Je voulais son oreille. Je récupère mes flèches. On est bon. J'ai même pas beaucoup usé mon armure là. Où est mon cheval? Oh, un bandit. J'ai déjà vidé vu ce qu'il lui reste. Eh bien, je vais aller vendre l'équipement et on s'arrêtera là pour cet épisode. Finalement, j'aurai eu tous les bandits du campement. Le chef avec beaucoup de difficultés, les autres un par un sans trop de difficultés. Comme quoi, le nombre, ça peut faire une grosse différence dans ce jeu. L'équipement et les performances du bandit également. Bon, et encore, le chef, il n'avait pas un équipement qui valait une fortune, donc il était bien protégé, mais pas, c'était pas un truc incroyable. Je pense que les meilleurs bandits du jeu, ils m'explosent large pour l'instant. Sauf si j'arrive à les headshot à l'arc. Alors, j'ai les oreilles. Je pense que j'ai même pas été trop blessé. Santé 100, nickel. On va quand même se réparer un poil.
Alors, j'ai quelques trophées. Ouais, ça va me rapporter 140. J'espère que l'armurier est encore ouvert. Je pense qu'il ferme pas plus tôt que le que l'entraîneur. Alors l'enregistrement a encore 60 fps, mais le jeu tourne à 50 de temps en temps. Ah, je suis capé à 60. Ah non, non, ça monte au-dessus. Alors, mon cheval, il a... Oh, j'ai pas grand-chose en armure. Je pense que la bague, je peux pas lui vendre. Ah si, je peux. Il me la prend à un tarif raisonnable. Alors, vous obtenez 427, on va marchander, on va demander plus. S'arranger sur le... Ben, c'est l'inverse. C'est bien, ce n'est pas comme ça. Je m'arrête là, ça m'énerve. Oh mince! Fallait que je m'approche beaucoup plus proche de lui. Alors, on recommence. Maintenant, au lieu de 427, il me propose 390. Marché. Bon, j'aurais eu un poil plus que 427. Repartez avec avant qu'il ne se gâte. Ce serait dommage de les laisser se gâter. Avec du sel, des grains de j'ai sûrement quelques armes à vendre également. Acolyte. Ah mais elle est volée, je peux pas vraiment la vendre. Je vais vendre l'épée de chevalier chasseur. Est juste moins bien que mon autre épée et je sais pas si je peux vendre mon arc. Mon Dieu. Je peux vendre ma dague abîmée. Hop. Et pour le reste, genre les coupes en or et des choses comme ça, on va aller rendre visite à ce marchand. Portez-vous bien. Alors, on va lui vendre la peau de sanglier. On va lui vendre pomme, je la mangerai. L'eau, ça vaut rien du tout. La coupe en... Oh là là, il me les prend pour rien du tout. Oh. Mal au cœur de vendre ça à ce prix-là. Ça se trouve, même Péchec me les aurait achetés pour moins cher. J'aurais pu aller voir jusqu'à Péchec. J'ai 3 donneurs de quête actuellement. Est-ce que j'ai les sous qu'il faut? Oui, pour faire réparer la fin de mon armure. Là. Donc je pense qu'on va faire réparer la fin, la pièce principale pour une réparation, cuirasse de Milan, marchandée. Ah, du coup tous ces prix sont augmentés, donc c'était vraiment une mauvaise affaire de le contredire. Marché conclu. Enfin une somme raisonnable. 900 or. J'ai d'autres trucs d'armure qui sont pas tout à fait réparés. Les chaussures de noble, elles s'usent très lentement, on va dire que ça va. Mes armes, c'est tout neuf. J'ai beaucoup de flèches sur mon cheval, tellement que je pourrais en vendre.
énormément de flèches de chasse améliorées. Eh bien, la suite dans le prochain épisode.